Et yo tout le monde, les gens, c'est The Dracossa. On se retrouve pour ce 12e épisode sur Pokémemo, sur la ROM de Rougefeu, toujours en compagnie du mec qui est toujours paumé, mais c'est pas grave, on apprécie jouer avec lui. Alors on va le rejoindre d'ailleurs, il est channel 5. Voilà, comme ça. Voilà. Là, on est Voilà, là, on voilà. est bien. Alors, on met qui devant? Alors, Bien. juste comme ça. Donc là, on va continuer l'épopée, hein, et j'ai des choses à vous dire. On a appris une chose avec Eric, enfin, c'est déjà dispo de base dans les jeux, mais c'est juste que nous, on savait pas. En fait, les légendaires sont pas. Il y en a certains qui sont pas dispo. Même Mewtwo, par exemple, il est dispo. Le seul problème, c'est que. Alors, si j'ai bien compris, il faut qu'on aille dans son lieu d'apparition. Donc, la grotte, hein, la caverne azurée. Qu'on se promène un peu aux alentours, dans le labyrinthe et tout. Et en fait, ça peut déclencher un combat contre un dresseur. Qu'il posséderait, je pense. Donc, ce dresseur ne pourra ni accepter ni refuser. Et si on le bat, Mewtwo prendra la position. Numéro 6 dans votre équipe. Du coup là en l'occurrence mon Mackogneur il sera remis dans le PC pour que j'aie Mewtwo. Et Mewtwo en fait il restera dans ma team, mais dès que j'aurai Deko, il sera relâché. C'est pour ça qu'Eric des fois on voyait dans les trucs Mewtwo a été relâché. Voilà, et en fait c'est un Mewtwo qui est fait exprès pour que vous puissiez l'avoir dans votre Pokédex. Mais voilà, c'est fait en fait pour tous les joueurs, c'est pas un dispo. C'est pas un Mewtwo qui sera dispo dans votre team tout le temps. Donc on n'est pas trop fan de cette mécanique, ils auraient dû laisser les légendaires tels quels en vrai. C'est pour ça qu'on trouvait pas Sulfura l'autre fois. Enfin bref, c'est pour dire que moi je suis un peu déçu sur ça, mais après, c'est pas grave. Donc là, on continue de faire les courses, hein. On fait des courses pour Sileo. Alors là, il y a notre rival, je te rassure, c'est pas un combat. Il nous parle, il nous parle, il nous parle. Voilà. Je crois qu'il y a une pension de mémoire ici, je suis pas sûr. Ouais. Alors, là, il y a la pension ici. Bon, là, Osef, hein. Je vais aller au centre Pokémon, je vais voir ce qui se passe. Là, c'est blindé. Ça y est, les Kikous sont revenus. Ah, écoute, il est 4h, il va être 17h, logique que les gens Ils ont fini de goûter, ça y est, ils ont fait le plein dans leur estomac, du coup ils se disent voilà, on est là. Mais alors, je pense qu'il n'y a pas C'est un beaucoup de Orsif chance. Shiny ou je rêve au centre Pokémon? Je sais Je pas, crois, je hein. compte pas. Ah, il a pris la passe du Colorior. Je Ah, regarde tu ça fais tout des de suite. emplettes, toi. Non, j'ai pas fait d'emplette. Non, non, non. Ouais, très bien. Oh, Marill! Petit Marill. Alors là, du coup, Sileo nous a dit qu'il fallait qu'on récupère le saphir, je crois. Hein. Je suis allé là ou pas? Alors attends, parce que moi, c'est rare, mais là j'ai envie de capturer un petit mari. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est là. Là, on a la maison d'Olga. C'est ici que t'auras Cascade, je pense. Alors, un gros doudou. Un fla. Rentre pas, Eric. Rentre pas si tu veux même pas m'insulter. Tu vas voir les poupées K, tu vas rigoler dans la maison de Lugia. J'allais pas. Donc on apprend qu'elle avait une maison de poupée, d'accord. Oh, je Ah, les suis. poupées là, c'est ça? Oui! Ah oui, oui, d'accord. Ouais, Oh, bah alors écoute. il te donne la scellée plaquage. Pas mal ça. Bon, toi je pense que tu as déjà sur ton Ronflex, mais moi je la prends quand même. Oui, mais je la prends pas moi aussi. Dans la maison où j'en sors là. Attends, j'ai vu qu'il y avait éclatroc là-bas. Je vais regarder ce qu'il y a à couper. Il y a une Ouais, Pokéball. des flagados. Très bien. Une Pokéball. Et ça contient un morceau étoile, donc ça fait de la thune. Hein. Parfait, là y'a quoi ici? Ok, là y'a rien d'intéressant. Je regarde un peu, je visite un peu, hein. Mais il me semble que l'île 4 elle est pas longue. Y'a pas grand chose à faire, y'a que le truc avec Olga et c'est bon. Ok. Ouais, c'est ça. C'était Voilà. Et du coup t'auras Cascade bientôt, je pense. Du coup, vas-y, enfin, je t'attends tranquille. Il me semble que tu peux récupérer la glace éternelle ici. De mémoire. Ouais, c'est une route de glace ici. Mais elle est pas compliquée, hein, elle est rapide. C'est juste pour trouver le gars et il y aura des sbires à affronter, je pense. Tu me ok. requêtes. T'as récupéré le morceau de toile là-bas, juste au bout? Là, ici, là-bas. Ouais, je l'ai pris là-bas aussi. Et là, t'as. Ouais, je sais ce que j'ai récupéré. J'attends du coup. Ok. Ouais, donc on va faire 3 sets par vidéo, je pense, c'est pas mal, hein. Alors dans ce hack, tu te rappelles de Fire et de Mega, on trouvait Suicune ici, tu te souviens? Et dans l'île 1 où on était, on trouvait Entei. Ils avaient rajouté comme ça pour... Ah tiens, je vais le taper lui, Axolotl. T'as vu, le niveau augmente un peu, hein. Niveau 45 là. Donc vous avez vu, vous trouvez des Pokémon quand même de la 2G. C'est exprès pour qu'on complète la 2G un peu. Alors, on met des repousses du coup? Ah, Eric est mute. Ok. Il est possiblement mute. Super Ball.
Oh là, c'est voulu pour qu'on... Je pense qu'on récupère le saphir ici, hein. Ah. À moins que... Mais comment je fais là? Non mais oh! Oh là là, il va me faire souffrir! En fait, tu peux juste pas, quoi. Non, tu peux pas. Faut venir d'en bas. Ok, très bien. Bah du coup, on va aller ici. Faut juste tomber, en fait, là. Ah! Glace éternelle, j'avais raison. Super. Ok, glace éternelle. Pas de soucis, Eric. On en parlait et je t'ai écouté. Je Ok, t'ai pris. bah tu verras, Moi, fais-toi plaisir. La découverte des lieux, elle est pas compliquée, c'est juste que tu vas, voilà, tu vas trouver des items et tout. Fais-toi plaisir. j'ai mis deux repousses. Ouais, moi aussi. Alors là, je peux aller. Parfait, voilà. Là-bas, il y a une balle. Guérison, ok. Ça va, tu t'en sors? C'est pas compliqué, hein. C'était cascade, voilà. Enfin, la CS07 cascade. Je sais même pas par où faut... Au pire, je te montre si tu veux, si t'es perdu. Vas-y. Ok. Moi, j'ai fait ça. Ouais. Après, voilà, t'avais sûrement un truc. Après, j'ai fait ça. Faut pas. En fait, c'est comme l'arène travail à la ON. Faut pas aller plusieurs fois sur les trucs. Alors, la pente, j'ai Ok. pris laquelle? Oula. Ah, j'étais pas ici encore une fois. Bon, bah, je vais découvrir. Ah, c'est bon. Voilà. C'était là que t'as pris? Ouais. Ok. Ok. Là, en fait, ça sert à rien. Bien. Là, tu pourras pas atteindre l'item. La seule façon, c'est de prendre l'échelle. Et en fait, tu prends le premier. Tu tombes ici. Voilà. Et là, tu fais ça, ça, et t'as accès à l'item. Glace éternelle. Après, du coup, Okay. ben, le truc, c'est que... Qu'est-ce que j'ai fait? T'es encore bloqué. Donc là, tu reprends l'échelle. Je pense. Et tu prends le deuxième au bout. Du coup. Quoi? Attends, j'ai mis un repousse et je tombe sur un Voilà. peu. Et là... Bon, j'attends. Quoi? Pourquoi j'ai mis un repousse? Ah, il est niveau 50? Ah non? Ah ouais. Quoi? J'ai raté Donc ça. t'as compris, tu prendras celui du bout. Hein. Alors attends, il y a un problème. Je pense que mon repousse c'est déjà facile au total. T'es sûr que t'as pas mis un Pokémon qui est bas niveau en premier? Non, Dracaufeu 62 euros. Non, je pense que mon repousse c'est pas renoncer. Et voilà. Bon. Alors, tu fais ça. Tac. Tac. Et voilà. Et là, normalement, t'as un item au bout. Moi, j'ai déjà pris. C'est une guérison. Oh, je fais des bons, on crache pas dessus. Quand t'as fini, tu prends l'échelle. Voilà. Et t'auras cascade. Voilà. Seul. Alors là, par contre, ce qu'il nous faut, je pense qu'on a tout fait ici. J'ai un doute. On peut. Ouais, en fait, on peut juste pas. Ah, tiens. Bah. J'ai pris le même truc. Voilà. Là, il y a une échelle. J'ai pas prise. En fait, ouais, ça sert à rien. Ok, d'accord. Ok, bah du coup, là, ce qu'il faut. Maintenant qu'on a cascade, va falloir, je pense qu'il va falloir que tu la prennes, Eric. Malheureusement. Je suis désolé de te dire ça, mais il va falloir qu'en fait, on monte la cascade. Quoi? J'ai un combat? Mais j'ai mis un repousse? What? Ramolos en plus, Eric. Mais ça se trouve, en fait, on n'a pas mis repousse, hein. Attends. Si, si, mais j'avais déjà mis, mais bah là je Mais moi aussi je suis tombe sur un Ramolos. mort. Écoute, à mon avis, peut-être des petits bugs. Attends. Ah ouais non, j'ai pas utilisé de repousse. Ok, donc du coup t'as déjà pris la cascade. Ouais, je t'attends en bas de la chaîne là. Il y a une entrée de grotte. Donc du coup, en fait, c'est pareil pour Sulfura et tout alors. Bah je pense hein. Voilà, donc là on a le gars, hein, tu te rappelles. Voilà, donc là on va avoir un petit combat. Ah là, la Team Rocket toujours à faire yesh. Hein. Allez. Et encore, il y aura encore un autre repère, Eric, avec la Team Rocket. Pas fini. Ils sont chiants, c'est même dans la nuit, ils sont chiants, de toute façon. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. C'est un truc de fou. Moi, tu vois, j'ai bien aimé la Team Plasma. Parce que je trouve. En fait, ils apparaissent dans toutes les villes quasiment, mais ils sont pas là de faire chier, tu vois. Enfin, c'est pas non plus un milliard de combats. Même si, Ouais, bon, il c'est y a des pas. moments où ça commence à être un peu plus, parce que c'est logique, parce que quand on arrive à la fin de l'aventure, ils commencent à se montrer, mais... Juste le fait qu'ils arrivent à la Ligue Pokémon, t'as le château qui sort de la Terre. Oh. Ça, c'était pas mal. Une galaxie aussi, c'était tranquille. Ouais, Ouais, ça va, ça va. C'est... Bon, j'ai gagné. Kaido est passé 62, parfait.
Ok, le classe, laser glace, hop. Voilà, ça est. Ok, parfait, ils sont barrés. On n'a qu'un combat à faire. Donc là, Tout je ça pour pense. toi? On va surfer, on n'a rien. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, bon alors on va se barrer. Oui, tout ça pour ça, oui. Tout ça pour toi. Ok, non mais ok, je sais pas, merci. Attends, t'as pris l'échelle, c'est ça? Ouais, tu t'en bats, tu t'en bats. Tu files le chemin, tu t'en bats. Tu te barres. Ah, t'as pas, t'as pas repris l'échelle. Non. Ça sert à rien. Bah là, je sais pas ce qu'il faut faire là. Attends, j'ai un doute. Olga, est-ce qu'elle est rentrée? Ouais, elle est rentrée. Mais du coup. Ouais, bah, il 5 du coup, hein. Je vais me soigner, go heal 5 du coup, Eric. Hein. Alors, je vais te maincogner devant. Acheter quelques Heal pots. 5, c'est là où t'auras quand même plus de dresseurs, je pense. Je sais plus en vrai. Je sais que t'as une île où t'as un bois. Avec pas mal de dresseurs qui ont des types insectes. Ouais. Grosso bono. Bah, vas-y, go en vrai. Heal 5. Ok, moi je suis à heal 5 là. Il pleut, perso. Il tank. Ouais, déjà on pourra surfer au nord. Déjà ça voilà. Effet du repousse, non. On visite un peu vite fait. Y'a personne. Ah si, il y a une mer. Pff, y'a rien là-bas. Ok, je m'en tape. Nous ce qu'on veut, Eric, c'est récupérer le saphir. Pour sa machine, on fait ses courses, hein, évidemment. Il est pas capable de faire tout seul. On a intérêt à... C'est incroyable. Faut coupe ici. Merde! Encore? En fait, je suis tombé sur une... J'ai voulu visiter l'observe et il y a un sbire de team Galaxy qui va un peu... Ok, t'es où, t'es où, t'es où? Attends, Galaxy j'arrive. m'a chopé là où il y a les observes. Ah bah j'ai un combat. Bah attends, je suis là, vas-y. Faut pas forcément coupe, hein. Ah, j'ai un combat sauvage avant le sbire. Psycho-quack. Et là, en fait, Eric, on arrivera au repère. Mais le repère, il sera pas accessible tout de suite. Faudra d'abord faire des trucs avant. Tu vois? Donc on va C'est quand même. chaud à pas faire un repère. On va quand même clean la zone, tu vois. Et après, il faudra aller ici, je pense. Ouais, en fait, ouais, je m'en souviens, il faut choper un mot de passe pour la porte. Et ça, tu l'auras dans une autre île. De mémoire, c'est ça, ouais. Un gros tas de morts, quand même, hein. S'il m'empoisonne, le cran sera activé. Il Alors, je sais pleut. pas si j'ai fait, mais j'aurais peut-être pas dû. Vas-y, Ah j'ai oui, force, hein. j'aurais pas dû apprendre beaucoup de feu. J'ai oublié que ça enlève ça. Ah, Dracofeu? Ouais. Moi, je vais laisser. Lance-flamme. Je joue spécial en vrai donc. Ouais, mais en fait, j'avais lancé. J'ai enlevé. Au pire, c'est une écaille cœur, tu pourras lui redonner, hein, je pense. Ouais, je verrai. Au pire, si je prends un autre. Si après une autre attaque, on verra. Tas de morve. Ouais, je vais devoir laisser le par contre. Quoi? Ah, t'aurais pu le tuer, frérot. Empoisonne-moi, empoisonne-moi. Yes! M'empoisonner. Parfait. Je vais aller. On sait Soigne. pas qu'il y en a. Moi je vais le laisser empoisonner. Mais je vais lui mettre une potion. J'arrête de tester ses dégâts. Bon, un ratata, vas-y. Il va me faire du vatac. Même pas. Le petit verre de voix. Mets un repousse en rien. J'ai mis un repousse. Mais par contre, comme il fait beau, je vais mettre. Bah, comme il pleut, je vais mettre votre panique. Quand il fait... Ah, pas contre ça. Ah oui, c'est vrai. Le mec il retient la mécanique, hein, il est chaud, aïe aïe. Il a retenu que le Fatal Foot fait 100% de précision. Il est chaud. Oh, il faut coupe! Ah! Une horde de 5 roucoups! Oh oui! Il n'y a pas un jaune dedans dans le Non, tas? est-ce que j'avais dit? Il n'y a pas un jaune dans le tas là? Il chaîne par-ci par-là. Je te conseille de mettre un repousse en vrai. C'est ce que j'ai fait, t'inquiète. Hein. Ah bon. Bah écoute, maintenant que je suis empoisonné, je vais te faire mal. Intimidation, t'inquiète, t'inquiète. Nice. Coup critique en plus. C'est bien Tenshin. Je suis un enculé, je suis de la merde. Quoi?
Tu ne le tues pas? Ah ouais. Ils sont pas level ici quand même, 48. Attends, après ça va être monté, t'inquiète. Ça te dit rien avec l'Aix quand on était sur l'île 9 ou je sais plus laquelle, 6 ou quoi? On a affronté. Bon, après, c'est parce que c'est un A qui m'a rejeté. Une dresseuse avec 6 l'euphorie niveau 100, 99. Oui, ça, ça me rappelle. Donc il y avait tous les gendarmes dessus. Bah, ça, il avait rejeté. C'était en plus, mais là, on l'aura pas, ça. Bah, heureusement. Ouais. Imagine ma meuf avec ses l'euphorie là. Bah, arrête, moi, pas non pour l'XP, hein. Moi je dis pas non. Tu sais à quoi je dis non? Je dis non ou pyrodi de. Attends, moi je mets des potions déjà. Hop, bah là y'a le repère. On pourra pas encore. On pourra surfer pour la Pokéball déjà. Ouais, ce que j'ai. Après je vais quand même prendre coupe. Tu vois, enfin pour voir ce qu'il y avait dans les trucs. Vu qu'on y est. Après on pourra aller au nord, tu vois, pour surfer. Il doit avoir des dresseurs. Je m'en souviens, là il faudra une solution, Eric. Parce que je m'en souviens plus de ce qu'il faut faire. En fait, t'auras une zone, tu vois, où t'auras des salles à 4 portes. Nord, sud, est, ouest. Et il y a un ordre précis, en fait. En fait, les îles sont chiantes. Non, tranquille, enfin, la solution, c'est pas. Mais en vrai, tu peux la comprendre. En vrai, ça se comprend, mais... C'est là qu'on a le saphir, quoi, pour Sidéo. Il faudra lui remettre, du coup. Ah, parce qu'en fait, il faut faire un énigme pour avoir ce putain de saphir. Ah, le rôle de chier, qu'est-ce que je veux dire? Il s'en cul, il peut le chercher lui-même. Bienvenue aux îles Sévi, Eric. Bienvenue aux îles Sévi. Ça me fait. Dans la nuit, c'est pas. Dans la nuit, y'a pas ça. Alors. C'est eux les cons qui proposent. Si vous voulez de l'aide, je peux vous aider. Ouais, t'as vu ça? Bon, attends, je vois le. Et là, c'est nous qui achètent le bruit. Bon, attends, je soigne mon Pokémon et je vais prendre mon truc coupe en même temps. Voilà. Toi aussi, je pense. Tu as volé sur le petit carré de ville là à côté, apparemment, il y a des dresseurs aussi. Hein? T'as volé? Non, j'ai surf, il y a surf, c'est un carré de ville à côté. Ouais, attends-moi. Je suis encore en train de. Moi, je suis curieux, j'ai envie de prendre les trucs et coupe. Voir ce qu'il y avait dedans. Ça se trouve, on aura une Master Ball, hein, qui sait. Je suis un peu trop ambitieux, mais bon, c'est pas grave. Master Ball ou pépite? Master Ball. Bon, bah, allez, je vous donne la pépite avec. Hyper potion. Ouais, viens pas. Je sais pas. viens pas. Ça m'énerve à prendre Chutif Peggy 18 à chaque fois pour ça, là. Tu l'as pas entraîné, le look là, ce qu'on a fait, toi? Non. Ouais, il reste au PC, toi. En vrai, ça aurait dû être intéressant, que... hein. Ouais. Ouais, mais je pense que je l'utiliserais, mais. T'es un pêcheur, toi? Ah OM, je pense. Sur OM? Ok. Ouais. Elle a équipé déjà sa team et tout. T'es où? Et ça va. Je t'ai dit un petit carré de. Je vais faire un dresseur qui a un pire pas belle. What? Mais moi je suis encore. Moi je fais la meuf là qui est en haut. Elle s'appelle Elsa en plus. Ouais. Elle a un Colorior. Oh là! Depuis quand Elsa a joué des Colorior? Aïe! Non, je rigole. Aïe! Elsa, je sais pas du jeu Pokémon, Elsa. Ouais. Elle joue des Colorior. En plus, elle joue ceinture force, elle fait morphing. Elle fait souplesse, non, si. Ah, mec, là, le. Elle mode speed. Aïe, aïe. Périr forcé. Elle copie mes attaques, elle m'a mis un tiers de vie. Elle dope au speed alors qu'elle sait pas couvrir. Attends, t'es où toi? J'ai gagné. Mais t'es où toi en fait, carré deal? Ben là où y'a le repère de la team. Ah, mais j'ai fini ça! Oui, mais en fait y'a un petit carré deal à côté là, juste en faisant surf. Ah ouais? Ouais! Oh, attends, j'arrive. Oh. Ah ouais! Ouais! T'es parti où toi en vrai? Au nord, je t'ai dit moi! T'as encore déjà se perdre à l'île 5 gros. Attends, mais de toute façon, je vais devoir prendre Mathilde et Bah attends, je vais venir Henri, il y a des dresseurs, moi je l'ai fait. Oui, il y a des dresseurs, je vais et prendre mon petit coucou. Tu prends Dracaufeu pour le prochain, c'est facile. Hein. Tant que t'as des attaques vol, c'est bon. Il y en a une, elle a un Granivol et Floravol.
Là, on va aller, tu vois, mets ton type électrique devant. Voltaline, tu vois. Vas-y, vas-y, Volta, parfait, parfait. En plus, il pleut, c'est parfait, ça. Je vais arrêter la mécanique. Mais du coup, c'est long, attends, carré de deal. Ah, t'as... Attends, on peut voler ici, en fait. J'ai volé où, là? Attends, où est-ce que j'ai volé? Oh, j'ai volé. Ouais. Donc, vraiment, on repère de la team... on peut pas aller, là. La team de merde, là. Attends, j'ai volé la Lille 4, quand même, débile. Je retourne à Hill 5. Hill 5, merci. Mais non, je suis dans la caméra sur mer, putain, je clique trop vite. Et c'est lui le guide, hein. C'est lui le guide touristique. Mais non, mais c'est expliqué, en fait, quand tu cliques trop vite, ça fait... Faire gaffe. Ouais, ouais. Ah ouais, tu peux surfer ici. Ah ouais, d'accord. Oh, mais c'est rapide, hein. Ouais, y'a quand même... Bon, des petits dresseurs. Y'en a combien? Un ou deux? J'ai pas tout fait. J'en ai fait deux. Bah, il doit en avoir deux. Là, j'étais cherché. Ouais, si c'est pour envoyer des roues cool, c'est pas la peine par contre. Hein. J'étais chercher mon petit couple. Pour prendre. Une paire potion. Ouais, un lampe, si c'est pour envoyer ça, en vrai. Restez chez votre maman. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais, attends, y'a des fleurs avec rapace de pique. Rapace de pique, ouais, ça j'ai vu. T'as même des psychocroques dans les herbes ici. Je sais pas, je vois que de reposer tout à l'heure. En vrai, c'est avec Speed Chopper en vrai, tant mieux, moi je vais te dire. C'est intéressant que tu pourras faire plus tard, hein, qui seront au level. Hein. Enfin, si t'as envie, hein, même si je pense qu'on est bien XP, on va pas s'amuser à faire XP tout le temps, nous. Bah, en vrai, pour. En fait, c'est. Peut-être pour les champions, pour les champions, il y a moyen, ouais. Peut-être des bonnes zones, au moins c'est des bonnes zones pour faire XP. Mais tu sais que tu verras que l'île 8 ou 9, tu vas voir que c'est des très bonnes zones pour XP. Hein. Donc en vrai. Au revoir. Puis quand je te sortira, tu pourras compléter ton Pokédex comme ça, tu vois. Vu que t'as beaucoup de Pokémon de la 2G ici. Donc voilà. Déjà le Pokédex est complet, hein. Là on a tous les Pokédex. Mais c'est sûr qu'ils vont sortir Johto, mec. S'ils ont mis Pokédex aussi, hein. Moi je te le dis, dès qu'ils le font, on le rush, hein. Ouais, tranquille. Tranquille quand même, ouais, t'inquiète, mec. Tranquille, déjà. Tu vas déjà voir des gens avec Lugia, oh oh. Je pense que les légendaires les aura pas. Peut-être qu'ils feront une mise à jour pour les avoir, je sais pas. Ça me dégoûterait de pas avoir un légendaire quand même. Écoute, y'a que 3 dresseurs. Hein. Y'a encore un truc au sud après? Apparemment, on peut retenter, on reprendre surf. Y'a beaucoup de trains, y'a beaucoup de trucs qu'on peut. Ça. Je pense ça même par contre. Ah, y'a un autre morceau d'île. Nice. Ici, ouais. Y'a des dresses. Y'a un item, c'est quoi l'item? Du fer. C'est bien ça. Du fer. C'est fer. Je vais faire de la merde. Tu fais quoi? Ouais. Alors. C'est du quoi lui? Du quoi? Bonjour, je vais s'en rendre de Pokémon. Ok, d'accord. On part foutre, ah, hein. Je vois où c'est là. Ok. On peut encore surfer, hein. Je pense. Oh là, ah, c'est un lieu de recul. Tectonix. Bah, vole directement en ligne, hein. Pas te faire chier. Bah, c'est bon, Là, il faut aller au-dessus du temps de Pokémon. Voilà, et moi j'ai fait quelques dresseurs déjà. Tu vas affronter Elsa, tu vas voir. Elsa. Que fais-tu là? Elsa. Elsa, viens m'affronter. Ah, j'aime pas ton petit colorieur là. T'es dessus là? Ouais, je suis dessus. Ah, t'es sur Elsa? Ah ouais, toi t'as pas le temps, je rigole. Ah non, y'a pas le temps. On lui fait un petit tonnerre là. Ah ouais, c'est le coup de foudre en fait. Je comprends. Mec, y'a tellement du monde, on sait même pas qui est qui là. Oh bon. Ah ouais, t'es comme ça toi. Je comprends. Ouais, ouais. Quoi? Encore des... Mais qui fait les colorieurs en fait là ici? Attends, excuse-moi là. D'où il a pris l'apparence de mon Voltaline l'enculé là? Ouais, Morphing toi aussi. Mais tu te fous de ma gueule toi? Attends. Oh là 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 là, verra ta mère. T'es la Hydroblast. C'est un fou lui. Ils ont tous ceinture force. Oh vas-y. Mais il me fait Hydroblast, je vais crever tellement il pleut en plus. Oh là là. Oh c'est tout? Y'a pas de dégâts.
Très bien. Ok, Kelorior. Merci d'être passé. Alors, c'est un bordel pour connaître les dresseurs, Eric. Hein. Ah, j'avoue. Je t'ai dit, les Ah, ça Kikou, ils sont compte. venus, ça y est là. Mais ils ont tous des Kelorior! Ils ont que ça, hein. Ils ont que ça. Même la prochaine, Eric, c'est encore un Kelorior. Après, attends-toi à ce qu'elle ait la ceinture force encore. Donc, c'est pour ça que je vais faire cruel en vrai. Ceinture force. Oh, il me sort effort. Avec la glace. L'enfoiré, il joue strat. Je vais péter un câble. Il joue strat. Il joue strat, fils de chien. Tu vas te faire niquer le prochain, Eric. Oh, écoute, je suis shiny. Non. Si, pas shiny. Si, shiny. Ah non, tu mens. Ah si. Ah non. Ah si. Non, non. Non, ah, c'est bah, si. Non. Il est rose. Ah, rose, tu veux. Non, c'est un Obali. Non, c'est un peu chiche. Obali, Obali. Obali rose là. Je te promets que c'est Obali, bon. Alors elle, elle doit avoir les. L'énergie et Faramp. Oh, je suis paralysé, parfait. Ça proc mon. Mon cran. Ok. Vive cran, vive le talent cran. C'est un coup de fiche, j'avais raison. Ah bon? Oui, c'est un coup de fiche. Pas mentir. Je te dis que c'est un coup de fiche. C'est un coup de fiche. Ça se voit, il y a des mecs qui. Ça se voit, c'est un coup de fiche. J'ai regardé ton Pokédex, c'est exactement le même. C'est au Bali, je te promets, c'est au Bali, gros. Je suis c'est sûr. Pas Obali. Ah, mais attends, oui, il y a un Quillfish et un Obali aussi, les deux. Voilà. Oui, Quillfish, oui, parce que la preuve, on voit le normal et le shiny. Alors, elle te soigne, maison de Témis, je crois qu'elle te soigne. Hein? Cher bagarre, quoi. Non. Il m'a fait non. Cher bagarre. Ah, tu veux bagarrer? Oh, t'attaques. Ah, il m'a fait effort le batteur. Mais ils ont quoi à avoir tous des quillfish? Je sais pas, pas ici. Pourquoi ils ont tous des quillfish? Ronflex MHP. Fais gaffe, il va te faire éclater la glace. Hein. Non, moi il m'a fait effort. Oui, mais juste après. Pour te niquer. Non, il m'a fait encore effort. Bah, il est con alors. Parce qu'il m'a fait éclater la glace pour me counter. Cet enfoiré. J'ai survécu avec. Il a survécu avec MHP. Tu sais pourquoi? Quoi? Tu sais ce que ça fait, effort? Non. Ça te ramène le même nombre de PV que l'ennemi. D'accord. Si l'ennemi a 2 HP et qu'il te fait effort, bah t'auras 2 HP. Donc après il te nique avec une attaque. T'es bâtard. T'es bâtard. Vas-y, bah là je vais j'arrive à me soigner en vrai. Je vais rappeler. Flemme. Dresseur aquatique. Voilà, et là on a la grotte, Eric. Il reste plus qu'un dresseur et voilà, on y est. Là, va falloir sortir la soluce. Bon, là on tente comme ça. On affronte Nageur Manu. Alors, on va tenter à cool. Mouais, je vais le faire cruel lui. Hein. Montrer que je peux mettre un draco face à des Pokémon aquatiques. Par contre, tu me fais effort en cul alors que je t'ai même pas attaqué. Tu m'en as pas mis de la quoi même, genre, c'est... Tant t'as cruel, bon lui par contre t'as peut-être faire vol quand même. Allez, on vole, hop. On vole pas dehors, hein, juste on vole dans les airs. Alors attends, parce qu'il faut aller où là? Du surf. Ah, surf sous la pluie ça fait mal. Hein. Aïe, cruel. Bon allez. Ah mais de côté peut-être c'est ça. Allo? 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 Ouais. Ouais, tu surfes. Ouais. Mais je te fais mal quand même, j'espère. Allez. Elle a. Tétard, tentacoulé.
Tort est cruel. Enfin, il a quoi. C'est un sort. De type O quoi. Ok, d'accord, je sais pas où je suis. C'est bon, tu vois où je suis? Non. Sérieux? Mais là, sur l'eau. Ouais, moi je marche ailleurs, apparemment. Je suis parti sur les plateformes, gros. Hein? Je suis parti ailleurs, gros. Je sais pas comment je me suis retrouvé là-bas. Mais t'es où? T'es où? Je sais pas, j'ai fait ça comme tu m'as dit, mais je suis parti à l'autre bout. La fois, une meuf, elle a un Pikachu. Quoi? Quoi? Oui. Apparemment, je suis parti un peu trop là, peut-être. Ou à l'autre bout. Mais t'as, t'as servi par où en fait, par rapport à l'île? À gauche ou à droite? Droite. Ah voilà, c'est ça, non? Moi aussi, j'étais à droite. Non. Ah, attends, repousse. Quoi, t'es dans une grotte. Ah non. Wouah! Je suis parti de l'autre côté alors. Je suis parti du bon côté. Ah mais t'inquiète, c'est ok. Ça me fait du XP. Il m'envoie Onyx. Qui est-ce qui nous a fait? Je vais mettre King Kong, tiens. Enfin, Kong. J'ai bien fait de me barrer. Il doit avoir fermeté. Je m'en doutais, mais vous faites chier. Il me fait escalade. Et ça, il m'a rendu confus. Hein. Mais je vais le taper. Je vais te taper. Et il se... C'était bien. Ah, tu veux faire tunnel? Regarde. J'ai envie de drac au feu. Moi aussi, je peux jouer strat. Hein. Pas de soucis. Voilà. Ouais. Oh l'enfoiré, il me respecte pas. Regarde, cruel. Et voilà. Fallait pas se la jouer malin, quoi, je te le dis. Gravalanche. Mais ça, c'est des Pokémon à fermeté, vous saoulez. Ah, il l'a pas. Yes. Et le dernier. Ossature. Ah, la puissance de séisme. Tu le tues, hein, s'il te plaît. C'est bien ça, en fait. J'étais parti de l'autre côté, en fait. Quoi? Il m'a one shot. Mais fils de lynche. Fils de lynche, ouais. Fils de lynche. Ouais, c'est vrai. Bah ramasse l'XP hein, écoute. Putain, il m'a fait Osmerang, il m'a tué mon King. Ah, les Daenerys niveau 63, on va mettre l'éviateur devant. Putain, ruine maniaque de merde. T'es là du coup Eric? Toujours pas. Au pire, je te fais. J'arrive à la grotte, j'arrive à la grotte. Tu affrontes. Alors là, c'est là le truc, je comprends pas, je sais pas ce qu'il faut faire ici. Ouais, tu es revenu ici? Le saphir il est... What? T'es où là? Ah je te vois. Mais je... What? Je suis revenu à l'endroit... Attends. C'est un labyrinthe. Hein. Attends, comme ça on parle de... C'est un labyrinthe. Bah attends, mais je sais pas, tu crois que je connais le chemin? Non mais c'est pas moi comme ça on parle deux. C'est en fait il y en a qui trouve. Ok. Alors, viens, viens. Ouais, c'est un dresseur. Eric, je vais regarder la soluce. Je vais regarder la soluce. Vas-y. Je vais regarder la soluce, c'est pas possible, y'a pas moyen. Mais, ah, je vais de... Je veux que je revienne derrière moi et tout. Mais oui, mais ça... Putain. Ah, prends l'escalier. C'est bon. Merde. Ok, alors bouge pas. Bah, bouge pas vu que j'ai pas ça. Je vais pas bouger. Pokémon rouge feu. Île 5. Et on va tomber sur le magnifique site de Pokébip qui va nous aider, j'espère. Voilà, utilise surf, parfait. Non, pas la grotte Metamo. Non. What the fuck? Tu sais que le saphir il est pas ici, hein. Faudra aller. Quoi? Attends. Pourquoi on veut ça alors? Si, parce qu'il y a un truc à récupérer aussi, mais c'est pas. Attends, mais. Ouais, c'est l'île 6. Ok. Moi, ce que je veux, c'est ça là.
C'est quelle grotte ça? Pire qu'une coupure. Attends. Allez, grotte. Putain, il pleut, il neige dehors, on dirait. Il pleut. Ah, c'est la grotte perdue, ça. Ok, c'est bon, j'ai le truc. Non, attends. Mais moi, je veux le chemin, les gars. Voilà, donc c'est une grotte particulière. Elle est construite, voilà, elle a quatre sorties. Et une seule, c'est la bonne à chaque fois. En fait, quand tu vois 12 rochers, faut prendre celle du haut. Quand tu vois 9 rochers, celle de gauche. 6 rochers, celle du bas. Et 3 rochers, celle de droite. Bon, je vais te montrer. Dès que t'as fini le combat, t'inquiète. T'es où là? T'es rentré? T'es Je remonté là? suis ressort de la grotte. Voilà, ouais, c'est bon, tu y es? Ok. Ouais. Donc là, tu vois qu'il y a 3 rochers. Donc 3 rochers, tu vas à droite. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 rochers, on va en haut. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rochers, c'est en bas. Donc là, il y a un dresseur, on peut le faire. Tu vois, tant qu'à faire. Voilà. C'est mieux qu'on a la soluce, hein. C'est technique, hein. C'est pas dans Pokémon que je vais faire ce truc comme ça. C'est vraiment trop chiant. Quand tu sais pas, tu te perds. C'est Zoro, quoi, dans One Piece, c'est juste ça, quoi. C'est un truc de fou. Quand tu sais pas, tu te couches, quoi. Le jeu t'a fait un fuck. Je comprends pas pourquoi il fait des trucs comme ça. Pour faire chier le monde. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En plus, je sais même pas ce que tu récupères. Mais t'inquiète pas, que le Saphir, on l'aura sur l'île 6. Hein. On l'aura bientôt. Il y aura des dresseurs à faire, on l'aura. T'inquiète pas. J'ai même pas envie de faire les 9. Hein. Deux? Y a combien d'îles? 9, c'est ça? Ouais. J'ai même pas envie de les faire. Bon, allez, on aura des. Tu verras qu'on aura des avantages sur la suite. Ok, donc moi j'ai fini. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, donc on ira en bas. T'as compris pourquoi? 3h, 6h, 9h, 12h. Par rapport au cadran d'horloge en fait. Oh, en vrai c'est plutôt bien fait je trouve, c'est ok. Attends, merde. T'es allé où? Bon vas-y, je t'attends. Vas-y, rentre dans la salle. Tu me dis il y a combien de rochers? Tu me dis le nombre de rochers, je te dis haut, droite, gauche, bas. 3, 3, 3. 3, tu vas en bas. Non, non. À droite, t'y es pas allé? Tout droit. Ah non, c'est en haut. Non, à droite, ressort de la grotte. On va recommencer, c'est pas grave. Tu me dis quand tu y es. C'est bon. Ok, t'as combien? Il y a 3 rochers. 3 rochers. Donc là, tu vas à droite. Yes. Ouais, et là, t'en as combien? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu vas en haut. Le 3, 4, 5, 6, 6. 6 rochers, tu vas en bas. Voilà, c'est bon, t'es avec moi. Donc là, il y en a encore 6. Donc là, on va continuer à aller en bas. Là, il y en a 3. Donc 3, c'est à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, donc là, c'est à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est en bas. 1, 2, 3. 3, c'est à droite. Putain, ils font chier, allez. Bon, là, 100%, il y en a 12. Donc 12, c'est en haut. Ok. Voilà, il y a une dresse. Ah! Alors elle, elle est bizarre. Elle nous saute dessus. Ah, c'était Miss. C'est la fille qui a cherché. Tu te rappelles? Dans la maison. Enfin, c'est parce que moi j'ai visité, donc du coup je m'en souviens. Ok, j'ai pas visité. Voilà. Donc je sais pas ce qu'elle nous donne, mais on verra bien. Bon. Et après, t'as vu qu'il y avait une Pokéball au fond? Ouais. On verra ce qui se passe. Hein. Et là, Vimosaur, ça peut être un truc important et intéressant. On va se casser tête-il, t'inquiète. Mais du coup, j'aimerais savoir où t'as affronté la Pikachu. Le dresseur qui a un Pikachu. De l'autre côté. De l'île. Ok. Oh, bizarre ça. Gros, je suis totalement. Je me suis perdu, mais. Oh, mais non, nous a TP ça... D'accord. Non, nous a TP. Ça a TP chez elle. Quoi, on ah prend pas la boule? Bah papa, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que non. Ah, je vois où t'es. What the fuck? On est où là? On fait quoi là maintenant? Attends, je suis mis de l'autre côté. Mais y'a pas de.
Mais si. Mais non. Ah ouais. Wesh, on est où là? Il y a deux. Attends. Ok, le mec il donne. Oh, il y a plus de place dans mon équipe! Il donnait un Pokémon, j'en suis sûr. T'es où? Là où t'étais, la dresseuse. Justement. Elveuse Solène. Elle a un Mélofée, ouais. Pikachu. Ouais, Mélofée, je pense. Ouais. Franchement, tu veux la Pokéball? Ça, t'es chaud pour qu'on tente le... qu'on fasse. Non, non, flemme, non, flemme, non, flemme, flemme, non, aussi. non. Faut bien. Il veut Govil 6, mais pas chier. À un moment donné, il faut savoir être sage dans certains moments et c'est le moment où il faut être sage. Faut pas être gourmand. Oui, c'est elle. Tiens, c'était curieux. Tu déposes un Pokémon et tu regardes ce que le mec il te donne. Parce qu'apparemment, il a l'air de te donner un Pokémon, parce qu'il m'a dit non, puis passe dans son équipe. Si t'as la faux, hein, enfin, si t'as la flemme, fais-le pas. Hein. On verra plus tard, au pire. Je peux faire, mais du coup, il faut que j'utilise votre, c'est ça? Ouais. Majestatique, frère, je me soignais, ça sert à rien, allez. L'île 5, elle t'a cassé les couilles, j'en ai. Ouf! Gros, j'ai un mal de tête et. C'est pas logique, hein! Merde! Je dépose un Pokémon. J'ai un mal de tête, c'est pas logique. C'est bon, j'ai déposé un Pokémon, je vais Bah, tant qu'à faire, vas-y. Hein. Tant qu'à faire, hein, why not, hein? Par contre, moi, après, je vais faire des empêtes, hein. Je vais racheter des repousses. Moi aussi! Il sait quoi, ça part vite, hein! Ouais. C'est bon, est-ce qu'on a? Vas-y, claque la dernière! Ça me fait que j'ai claqué la dernière. On va voir qu'est-ce que tu dis, toi. Je peux te faire confiance, tiens. Voilà qu'est-ce que je te donne. Un 9! Oh! Intéressant, bah écoute, on l'a comme ça! Et celle-là c'est Arceus, tu sais. Eh, il te sort Arceus, il te sort. Son vol, le dessin. Ouais, mais du coup, on fait quoi avec l'offre en pause? Pour l'instant, je vais me PC, je t'avoue, je vais me PC, rien à foutre, gros. Ouais, ça se me dit bien. Repousse et on peut go X6, du coup. Hey! Ouais. Toi, tu viens là, voilà. Y'a pas de shop ici? Merde, bon, on verra sur le 6. Oh, alors attends, je reviens vite fait. Pas de soucis, vas-y. Et y'a un shop, hein, je te rassure. Ta-ta-ta-ta-na-ta-na. C'est Noël dans le monde des Pokémon. Oh! Lol. Qu'est-ce que tu veux, toi? Laisse-moi tranquille. Ouais, toi-même, ciao, il est fou, lui. Parle-moi correctement. D'accord. Quoi? En allant par là, tu arriveras à Guadalcanal. Continue dessus si tu veux voir la vallée ruine. D'accord, donc là, il y a des choses à faire. Là, il y a des choses à faire. Là, il y a des petites choses à faire. Ok, très bien. Alors, ok. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter des repousses. Hein. On le sait bien. Les repousses, les super repousses. Tac, 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 tac. Les repousses, ouais. Donc là, il y a des choses à faire sur cette île, Eric. Hein. C'est plus intéressant. Il y aura des combats. Et c'est là qu'on aura le saphir. Qu'est-ce que nous... C'est ça, pour le saphir. Et après, on a fini, c'est ça? Je sais pas. Bah, je pense que, ouais, pour son truc, ouais. Après, ça prend, voilà, les prochaines îles, c'est... Un peu de baston, et je sais pas ce qu'il y a en vrai, j'en souviens plus. Non mais, qui te dit il y aura une prochaine ville déjà? Les prochaines îles. Qui te dit il y en aura des prochaines? Hein? C'est moi. Au pire, si t'as pas envie de les faire, je vais solo, Eric, hein. Tu peux totalement me dire non, hein. Tu sais. C'est toi qui vois. Hein. Je vais les faire avec toi, mais voilà, je vais saturer. Je te le dis. Je vais saturer. Tranquille. Vas-y, bah, bon. Du coup, je suis dans le sud. J'avance le montagnard. Dans le sud de la France, ouais, t'inquiète, je suis à Bordeaux, si, t'as vu. Oh,
sais quoi, on se retrouve quand on doit se retrouver. À Dijon chez Jinx, ah, non je rigole. On se retrouve à Dijon, t'inquiète. Vas-y Dijon, vas-y. Le mec il va tryhard les EOQ toute la nuit. On sait déjà comment ça va finir gros. On en parle qu'il me fait zéro dégâts sur éboulement. Bon tu me diras il y a intimidation, je suis petit vol au vol, mais quand même. Quand même c'est inquiétant. Lâchant qu'Eric il va aller sur Owen là, il va faire un truc plus intéressant. Ah mais... Oh. Je me rappelais pas, c'était aussi casse-couille aussi long hein. Mais arrêtez de me rendre confus. Et vous rendez fou. Escalade c'est... Oh là là, vas-y Skydo. Je veux bien que t'es un alcoolique ou quoi, mais quand même, genre... respecte-toi. Comme ton presseur. Non, non, non. Allez, surf, surf. Nice. Non, Eric, je vois pas moi. Je ne vois pas. Mito, je bois de l'eau. De l'eau. Je bois de l'eau. Pierrot m'a initié à l'eau. C'est bon. Tu bois de l'acide, Mito. C'est toi qui m'a initié en foire. C'est de ta faute, t'as quand même montré. En quoi c'est ma faute? Bah, c'est de ta faute. Je t'ai jamais dit d'en boire. Hein. Bon, je te rassure, c'est assez grand. Je te préviens, c'est assez grand ici. Hein. Mais au moins, t'auras ce qu'il faut. En vrai, t'as peut-être des Pokémon intéressants à te choper ici. Hein. Si tu veux te faire une team pour les prochaines villes, moi je serai toi, je profite. Hein. Ouais, bon, t'inquiète. T'inquiète. Est-ce que ce soir tu veux faire Lille cette année? Dis-le sinon je fais tout seul, hein. Pas de soucis. Ouais. Oh non, pas ce soir. Je fais solo au pire. Honnêtement, je pense que tu vas aller faire solo ça. Désolé, mais je vais t'abandonner là. Ouais, pas de problème. T'as trop de casse-tête comme ça, ça. Non, mais non, après, c'est... je pense que c'est rapide. Bah, je verrai la soluce, mais je crois que c'est rapide. Ah, bon, c'est séparé, mais je pense qu'on pourra se retrouver. Ah, il a curé l'heure. Ok, d'accord, ça empêche que genre, je suis intimide. Ok, PP plus. Quoi ? Quoi ? Je l'ai pas tué. Bravo. C'est un kangourex, hein. Non, on compte pas du tout la même personne. Ouais. C'est une arme. Rhinocorne. S4. Alors, c'est vrai qu'il y a une énigme avec coupe aussi ici. C'est chiant, faudra revenir avec coupe. Genre, faut couper la porte de mémoire. Ça va débloquer l'accès. Elle va se couper tout seul la porte. Oh, ça fait du bien qu'il ait pas fermeté pour une fois là. Et lui il va l'avoir, vous allez voir. Qu'est-ce que je disais? Saloperie des graves avalanches. Ok, il y a un Kangourex. Il se cache sous le sol, t'es sûr? Regarde bien, on va mettre Dracofeu. Feu. Et ouais, c'est con, hein. Cruel. Et oui, bien sûr, il fait de l'attaque, oui. Le corne. Arrêtez avec fermeté. Trop lourd. Draco souffle. Mais évidemment, tu me paralyses. Bah oui, c'est pas drôle, franchement. Hein, Onyx. Et en plus. Bon. Moi, je pense que tu me tues pas. Attends. Pire, j'ai l'antidote. Non, pas antidote. Merde! Mais non! C'est bon, j'ai eu peur que. Antipara. Voilà. Gros, je vais t'en faire tous les dresseurs de l'autre côté pour te rejoindre. Mais il y en a plein, c'est normal. Allez, Bomberk. Enfin, plein. Ça va vite, quoi, mais tranquille. Ouais, j'ai déjà fait tout un côté, gros. En haut? Ouais, j'ai fait le haut, en bas. Il y en a combien? D'autre côté, quand même. Pas beaucoup.
merde. 1, 3, 3. Ouais, ça va. 3 mémoires. Je les ai pas comptés. J'ai eu de roche. Tout ça à cause de Sileo là qui sait pas faire ses courses. Ouais, par contre, il a bu ça. Je vais trouver un titre après. Ouais, il a bu par contre. Il y en a un qui a un gros lème niveau 50. Hein. Fermeté, bon vas-y encore une fois, j'ai encore mes dragons au feu. Hein. J'ai pas compris que ça sert à rien de faire tunnel. Voilà. Voilà, et on finit avec Cruel. Voilà. Bon, ça partage un peu l'XP, mais c'est pas grave. Ça fait de la thune, ça fait de la thune. Allez, lui c'est pas dessus, ça dégage. La racaille, ça la dégage. Racaille, ça dégage. Oh, beaucoup de thunes quand même. T'as vu ça? Et après, le mec il dit gni gni gni, je commence à tuer. Les dresseurs, c'est la vie. C'est chiant, leur casse-tête, gros. Leur casse-tête, c'est chiant. Tu dois faire un truc sur une île pour faire 2-3 trucs sur une autre île. Pour qu'il te ramène pour débloquer les vêtements sur une autre île. Et sur le truc, t'as quoi, t'as Pokéball que tu peux pas prendre parce que la meuf va te ramène à un autre endroit de l'île pour que tu retournes dans les autres îles pour aller sur une autre île. Oula 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 oula. Non, arrête gros. Arrête. Là. C'est comme si je te disais où j'habitais, mais je te fais faire tout le tour de ton coin pour que tu me rejoins. Bon, genre, c'est aucun sens. Ça n'a pas de sens. Mewtwo a été abandonné. La Tina a capturé Mewtwo. Ah ouais, tu captures des Mewtwo, toi. C'est après de la round 18. Hyperball, ok. Bah, du coup, je vais faire les dresseurs que t'as fait en haut, Eric. Et je te dirai comment accéder à la suite. Mais il y a ma dresseur, hein. Attends. Ouais. Mais je t'apprends à toi. Ok, là-bas il y a une Pokéball, je l'ai pas prise encore. Potion max, d'accord, why not. En fait, elle est pas grande, l'île 6. Je suis un peu de. Ok. Ok, donc je vais affronter. Très bien. Parfait, électrode, bah écoute, j'ai mon Kong devant. Il y a 4 électrodes, ou c'est comment? Le jongleur que t'as affronté tout à l'heure. Non, bah, tu m'as dit que t'as fait le haut. Ouais, j'ai fait le haut. En fait, je l'ai passé. Sans le voir. Ah. C'est fort possible. Il était peut-être bien caché. Électrode, monsieur Mime, non, ça parle pas. Bon. Ah, non, ça me parle pas du tout. Ouais, non, celui-là, je l'ai pas vu. Je suis en train de les one-shot un par un avec séisme là. Ça va tout seul. Ce fut ton dernier séisme, d'accord. Très bien. On va mettre à la Kazam devant. J'ai envie de mettre à la Kazam. Comme ça, en même temps, je vais récupérer. Alors, dès que tu pourras, tu récupères un Pokémon qui a coupe. Ouais. Voilà, quand tu vas revenir au centre Pokémon, vu que je les soigne en même temps, moi je le fais. C'est quoi là, t'es retourné vers le centre Pokémon, ça? Ouais, ouais, ouais. Parce que j'avais plus de pépé sur séisme et que, bon, j'avais envie de soigner un peu ma team. Okay, là, on peut pas surfer ici, hein, d'accord. On peut pas surfer. Ok, donc ça rassure, c'est qu'il y a que ça à faire sur ces îles. Ok, d'accord. Bon, tranquille. Ouais, c'est ça, les îles 7 à 9, il y aura la Team Rocket, donc je pense que ça va moins te motiver. Pourquoi il me parle encore, lui, là? Ah oui, t'es pas rentré dedans tout à l'heure. Ok, c'est pour ça qu'il est énervé, Eric, on sait pas pourquoi. Oh, mais il casse quoi, lui? Oh, moi, je suis bagarré, mais tu veux pas te barrer. Viens sur le terrain de boxe. Viens sur le terrain. Donc t'as affronté le dresseur qui a un lanturne. Ça, ouais. Sur l'eau. En fait, là où t'étais, j'ai pas encore été en fait. C'est pas de là What? Que je parlais, en fait. C'est pas de là que je parlais, moi je parlais de l'autre côté, là où on était. Toi, tu fais des dresseurs cachés, toi, j'ai remarqué.
Oh, c'est possible, putain. Qui sont que dans ta Rome. Mais non, il y avait des dresseurs de l'autre côté, je suis apporté. Là, on était. Ah ouais. Bah, je pense. Hein. Pour vous. Pour vous. Léviator. Vas-y, Intimid, si tu veux, moi j'ai Psycho. Ok, il y en a un, y a qu'un Léviator, niveau 50. Ah, les stats ne baissent pas parce que moi j'ai attention comme talent. Allez, Psycho. Ah ouais, ça le tue pas. Oh le bâtard. Et y'a le grelot coq, ça va pas te sauver mon gars. Ça te sauvera pas. Ok, bon, il m'a fait ma chouille. Je one shot pas un Léviator niveau 50, avec un Alakazam niveau 62. Info quand même qui me déçoit. T'es faible. Bah je sais pas, j'ai l'impression que... Pourtant je suis pas rouille. Y'a que ça, hein. Ah, c'est là où y'a le bois. Allez, elle est grande, ce truc. Ouais. Bon, attends. Ouais, Eric, on fera ça après. Là, ce qu'on veut, c'est d'abord trouver le... Attends, je vais revoler à... Parce que ça m'intéresse, la zone où t'étais, quand même. C'est le même endroit où on était à deux, mais j'ai fait l'autre partie. Après, je sais pas si t'as fait l'autre partie. Bah... Mais de l'autre côté, en gros, il y en avait... Je sais pas si t'as battu un gars qui avait un semi arme. Non. Justement, je cherche. Ah, voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Bah, attends, elle est où? Je regardais. En fait, tu vois, quand t'arrives sur le Pokémon, là où on était... Ouais... Tu, en fait, tu passes juste légèrement en haut, tu fais une ligne droite et t'arrives sur l'autre truc, en fait. Non, là, j'ai même pas fait ce dresseur, là, déjà. Pas bien. Mais en fait, je vois pas. Attends. Non, mais attends. Bah, au pire, tu montreras après. T'inquiète. Votre ami, nous. Tranquille. On va voir ça après. Tout est confus, ça chien. Mais d'où t'es confus? D'où D'où es-tu confus? Mais d'où? Dans quelle logique tu dis oui? Là, le similar, j'ai affronté. Voilà, c'est tout, y'a que ça. Similar, y'en a un autre en bas qui joue Rhinoceros. Ah ouais, je sais pas. Je sais plus. Ok, bah je vais. Et t'as ramassé la Pokéball du coup? Yes. Hyper potion, d'accord. Ah, en bas, exact. Mais non, je l'ai fait. Attends, j'ai tout fait là. Ok, du coup, bah c'est le moment de vérifier par rapport à la porte. Je vais te dire. Je vais attendre que tu me rejoignes. Ah bah on doit retourner là-bas au final. Bah je pense, attends, je suis pas sûr, je vais te dire ça. Reste là au cas où. Mais je pense qu'il faut utiliser coupe. Ah, c'est ce que je disais, genre tu dois aller dans le... Exact. Endroit pour aller dans tu peux... Ok, c'est bon, parfait. Alors là je vais... Alors Solus. Attends, je tombe dans le... On t'attend. Comme ça au moins c'est fait, on l'a fait ce truc là. Alors, il 6. Solus. Hein. J'ai pas envie de me perdre, hein, je te le dis direct. Oh là là, c'est mon cerveau qui avait même bien. Voilà, y a même la forêt ici, dans ici c'est plus haut. Ok, y'a que ça à faire après, hein. Ok. On a la grotte Metamo. C'est vrai que l'ici, elle est... Ouais, y'a plein de trucs. Hein. Ah, c'est là qu'on récupère le... Ok. Attends. Voilà, quand on sera dans cette grotte, faut aller dans le trou qui est devant nous. Et on va tomber en fait dans une autre salle, avec une gravure en braille au centre. Il sera marqué... En fait, le truc, c'est que tu pourras lire les inscriptions. Des fois, ils te disent, il est marqué haut. En fait, faut deviner, tu vois. Quand il est marqué haut, tu prends le trou en haut. Quand il est marqué, en gros, ben, en bas, tu vas en bas, gauche à gauche. Mais ça peut se lire. Et c'est là qu'on trouve le saphir. Attends. Et du coup, il y a un... Attends, Eric, tu as pété un câble, c'est qu'il y a un homme qui va te dérober le saphir. Il va te le voler. C'est un mec de la Team Rocket, tu vas devoir. Oui. Ouais, allez, suis-moi. Il touche à mon saphir, le jeu. Donc là, ça, là, alors là, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? What? T'es où là? Je suis dans une salle différente. Non. T'as pris le trou? On est pas ensemble. T'as pris le trou? Oui, mais on est pas ensemble. Non. On est pas ensemble. On est pas ensemble. Je crois qu'il faut aller en haut. En haut? Je sais pas, bah on est pas. Attends. Je comprends pas. En fait, sur Pokémon, c'est différent. C'est... Oh non, c'est de la merde, gros. Ok, d'accord. Je suis en train de début. Mais là, je la comprends pas l'inscription. Attends, oh. Bah, en plus, je crois que je la comprends l'inscription. Là, c'est quoi? C'est O, non? Oh, je comprends pas, putain. Okay. Ah ouais, O, attends. Gauche. Je dirais que c'est droite. O, gauche, droite. O.
Gauche. Si je suis un PGM, tu me... Attends. Droite. C'est en bas, non? Oh, gauche, droite, bas. Oh, gauche, droite, bas. Je suis dans le saphir. Non. Oh, je suis un monstre. Gauche. Oh, let's go. On est pas ensemble, en effet. Bon, là, du coup, il va me dérober gauche. Le... Oh, le bâtard, Ims. Gauche. Droite et bas. Droite. Donc, en même temps, il nous passe le mot... Passe Tarsal, la star. C'est bon, t'y es? Ouais, c'est... Ah, bon. Tu... Franchement, hey, je suis un monstre. Hein. Attends, lui il sort normal. Comme voilà, comme... et il va te rouler. Il va... Eric va péter un câble. On a la rampe, pas le coup. Viens. Il est au truc de la tête de... À la cache-pâte là, c'est ça qu'on a fait. Attends, pas encore, il... Oui, mais attends. Ça, c'est plus tard, ça. Là, il faut aller ça, tout en haut. Ah, parce que vraiment, on est allé sur cette île, pas pour trouver le truc, sauf qu'on a fait, mais... On s'est baissé parce qu'on peut te voler et on veut pas l'avoir et on veut pas aller sur le truc de la tête. Ah ouais. Vas-y Eric, je suis au nord, tout au nord. Tout au nord. Ah pas mais le bel. On s'est volé le saphir. Ah ouais, non mais ouais non mais... Pourquoi pas, mais voyons. Ah putain. Ok mais bon, sacré jeu. Aïe, aïe. Et là ils te cherchent. Et là ils te disent on a encore un émeraude à trouver. Non je rigole. Non y'a pas. Y'a pas. Honnêtement, j'essaie de coder le jeu et en termes de dialogue je lui dis nique ta mère. Nique ta maman. Ouais, t'as surfé vers le haut. Là je suis vers le haut. Ouais, surfé vers le haut. Là je suis devant le Léviathan, t'as galéré. Oui oui. Galéré, ouais. À peu près. Ouais, tu peux le dire, t'as galéré. Je suis pas galéré hein. Mais j'ai pas de Scarino, attends, elle est folle. Je garde mon Scarino. Ouais. J'ai pas de Scarino, je garde mon Scarino. Non, j'en ai pas, mais. Enfin, je... Moi j'en ai un par contre, j'en ai un. Oh, tournegrain, c'est pour me sortir des tournegrains, vas-y, rentre chez ta maman. Sortir quoi? Tournegrain et Eliatron, c'est ça? C'est ça. Non, mais Nopec, c'est ça? Non! Toujours c'est ça, c'est là et Eliatron. Non, moi. Vas-y, c'est bon. T'as très bien résumé le truc. Ah ouais, c'est ça en plus, c'est ça le pire. C'est que c'est vraiment ça, hein. Franchement, c'est pour sortir tes Pokémon comme ça, mais gros. Bon, je l'ai dit, passe 63 à la Kazam, ça va, tu vois, ça me va, mais... Ça complète le Pokédex en même temps. C'est bon pour moi. Élixir. Ok, il y a un élixir ici. Pokéball en bas. Ah, voilà. Donc là on arrive au fort buisson. Voilà, parfait. Bon là je te préviens, c'est on va dire, bon il y a des dresseurs ici mais tranquille. Ça se fait. On a combien de temps de vidéo? Ouais, une bonne heure, hein. Tranquille. Ça là sera un peu long quand même. Mais on arrive à la fin là de l'île 6, tranquille. Après je sais plus ce qu'il faut faire. Je pense, est-ce qu'on peut aller au repère ou alors faut faire les... Ça j'en ai aucune idée. A voir. On verra, on verra, on verra. Il y a deux canards tichos, dresseur. Je me dis, ouais, je me dis, on rentre dans une forêt, il va y avoir des super secs, je peux te raconter. Ouais. Plus, je vais encore... Moi j'ai mis ma cognard, mais ça va, il one shot tout. Ah, pas sûr. Ok, ça, je le one shot. Hein. Par contre, moi là où je suis vraiment pressé et qu'ils mettent. C'est la raison de Galar, parce que moi comme j'ai pas acheté les pays, j'ai... Ah t'as le temps gros, tu vas avoir le temps. Parce que j'ai la flemme tout simplement là. Moi c'est pas que j'ai hype là, en vrai de vrai. Je sais que j'ai le temps, mais je suis... Déjà il faut qu'il mette XY encore. Faut qu'il mette Johto. Ah oui, il me sort hyropiqué, normal. Aïe aïe aïe. Ah, il met 0 dégâts, c'est pas stabé. Le dresseur en haut, il y a un Scarino, Eric. J'y suis dessus, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que j'ai mis un repousse. Un Levenard. Oh, ça fait XP ça, dis donc. Est-ce que tu as gardé mon double pied? Je pense que oui. Allez, Chopper, tu l'as gardé? Bah oui, let's go. Allez. Bon, c'est peut-être pas le one shot, mais... Coup critique. Oh.
Oh, mais let's go. Oh, Chopper. Trop, trop fort. Trop, trop fort. Moi, ça me saoule, je peux pas jouer avec sa plasma, là. Ah, c'est vrai que je pars déposer son... Putain de Chotiflore, là, son Magi 18. À cause du coupe de merde, là. Ah ouais, c'est vrai, on a plus besoin, j'aurais dû faire ça. On fait ça après. Bon, comme tu veux. Oh, tant pis, je vais... Oh, moi aussi, j'ai la flemme, en vrai, de bouger. Ah, je suis... Tilté, là, Eric. Là, il va retourner sur LoL, faire du 1 pour tous. Non, même pas. Il va juste mater sa série, je pense. J'aime pas, j'ai tout fini. Oh, non, excuse. Excuse. Il y a plus aucune série qui m'intéresse. Tu te refais un marathon Lucifer hein, pour te mettre dans le bain pour la saison qui va sortir le 28 mai. J'y ai pensé. En vrai, j'ai rien à faire, vas-y. Hein, en ce moment, j'aime bien me retaper des classiques comme film. Hier soir, avant de dormir, je me suis tapé les deux Ball de 13 là. Ouais. Je me suis tapé les films Karate Kid. Ah, tu regardes aussi? Ah, j'ai kiffé ce film. Karate Kid, tu l'as vu? Ouais, ah, ce film c'est une tuerie. Bah écoute Eric, je vais au centre Pokémon en même temps. Parce que mon chopper est empoisonné et j'ai plus d'antidote. Pour me voilà en même temps reprendre le Pokémon. Tant qu'à faire. Comme j'avais regardé la série Cobra Kai, ça s'en prenait par rapport au film. Ah ouais. J'ai mis qui au PC? J'ai mis Kong. Ouais, j'ai mis Kong. Ok, vas-y. Lame feuille, empifeuille, empiflore, empifeuille. Oh. Okay. Critique, c'est vrai que c'est un taux de critique élevé ça. Lance flamme, allez hop. Et franchement, j'ai aimé Karate Kid. Moi aussi, j'ai aimé. Et la série, aussi la série Cobra Kai, franchement, j'ai aimé aussi. Moi, j'ai kiffé ce qu'il dit sa veste, tu fais ça, pose, mets-la. À quoi ça sert? Et moi je préférais avec Daniel LaRusso. Ouais. Celui-là j'ai vraiment préféré. Parce que celui avec le black, franchement, avec le petit black, j'ai pas. Bon, attends, je vais voler. Hein. Je vole ici. Et hop, je reviens. Il y a un shop ici? J'aime plus. Allez, toi tu peux revenir au PC. Ah, mais ils sont trois en fait. En fait, juste à mettre lui dehors. Voilà, parfait, Dracoff est devant. C'est juste que... Non, pour l'instant on garde le super repousse. Allez, on retourne ici. T'as vu, ils ont mis quand même les musiques de la 2G, tiens. Enfin, bah de base, elles sont déjà dans le jeu comme ça. Tu me l'as fait. Ouais, t'es Pokémon insecte, allez, qu'est-ce que tu vas faire? Aéromite, nice, j'ai mis ça devant. Elle doit avoir Mimitos après, je pense. Enfin, heal. Moi, je sais pas, je pense pas que je vais rapatrier des Pokémon sur ON. Je vais faire ma team sur... En vrai, comme ça, j'aurai plusieurs teams différentes pour chaque région. Et ouais, je vais faire ça, je pense, hein. Moi je pense juste que je pense. Ouais. Et je vais jouer Arco, je pense. Ah, j'ai envie de le prendre Arco, ouais. Au pire, on prend tous les deux, c'est pas grave. Ouais, pas grave. Je l'affronte elle? Ah ouais, je l'affronte. Et en fait, je fais tout le monde là? Non, le montage. Attends. Ouais. Il y a quand même des dresseurs, hein. Allez, hop. Ouais. Yanma. On va me faire abris ça. Non. Dardarnian. Tu l'as affronté, ce dresseur? Non. Ok. Je suis un peu bloqué avec une autre qui a des mélodies. C'est chiant. Mais du coup, dans ta team, t'as pas gardé Dardarnian en finale? Non, je t'ai pas gardé. Trop faible, ça. C'est... Bah, il rentrait pas dans la compo que je voulais faire en fait. Ouais.
Bon, il était de type vol, vol insecte, et j'avais déjà un type vol. C'était un peu trop... un peu trop. Mais j'aurais bien aimé le garder, hein. Bon. J'aurais bien aimé. Ça, je crois que c'est... Fillette Dahlia. Et j'ai failli lire Dialga, putain. Oh, je suis fatigué. Les types poison, je veux... pourquoi j'y ai assez? Il y a un sac. Il y a vol pour. Non, il y a un sac poison. Ah, il y a un sac poison. Ouais. Comme j'avais déjà ectoplasmo poison, ça me sert à rien. Ouais. Mais je pense que je le tuerai. Si j'ai pas. Si je sais pas quoi jouer pour OM, je le prendrai. Mais... ouais. Vous avez des Pokémon nuls, hein, Granivol, Floravol, mais enlevez-moi ces merdes. Ça gaspille juste mes bébés, en fait. Incroyable. Ah, 3 Granivol, quoi, faut arrêter. Mettez-moi un Cotovol, au pire, je sais pas, moi. Enlève plus d'XP, oh, c'est... oh, là, je suis dans le stade, j'utilise juste Boutefeu, en mode de balèque. Mais Boutefeu, c'est bien pour le Dracaufeu X. C'est vrai que pour le X, c'est hyper utile, ça. T'as affronté Montagnard pour savoir ce qu'il a? Montagnard, j'aime bien. Coxyclac, combien? Ouais, à tous les coups, elle a deux Coxy et un Coxyclac, j'en suis sûr. Non, ça me dirait. Non, j'ai pas affronté Montagnard. Ah non, Paras. Tu sais là, qu'est-ce qu'il fallait? Non. Manque. Hein? La pièce rune, on aurait la pièce. Mais là, si on veut, je pense qu'on. Ouais, ouais. Les pépettes qu'on aurait eu là, dans les sens des combats. Oh, pose de sport, t'es relou. Ça va être quoi, du poison? En fait, j'ai pris un fruit là, ce midi, et je l'ai pas mangé. Il est encore là sur le côté. Je te jure, je me suis dit, je prends un prix au cas où j'ai un petit feu à la fin pour le défaire. Ah, il m'en restait en fait à titre parfois. Bah écoute, je l'affronte Montagnard. On verra ce qu'il a. Onyx. Putain, j'aurais dû switcher, putain. Je suis foiré. Bah Montagnard égale le type roche. Hein. Ouais, après c'est pas un Montagnard, c'est un ruine maniaque, mais ouais, dans les ruines quoi. C'est élémentaire, mon cher Sabri. Hein? C'est élémentaire, mon cher Sabri. Pas ça, c'est que... Montagnard égale type roche, hein. Ça dépend, hein. T'as déjà vu un type roche, t'as déjà vu un Montagnard avec un type roche? Eh, on est sur Pokémémo. Ouais, c'est possible, Barbicha. Barbicha, Cradopo... non, comment il s'appelle? Crapustule. Okay. Y'en a plein, hein, y'a qui? T'as déjà vu un Montagnard avec un autre type que type roche? Oui. Vas-y, je veux bien t'écouter, vas-y. Je t'ai dit, il est Marest, eau et sol. Même toi, t'es pas combattant dans ton truc, gros. Mais si, bah, tu fais de quoi, Marest? Eau et sol, il est pas roche, voilà. On a plein, Barbicha au sol. Crapustule au sol. Le mec, il se répète, tu sais, genre. J'ai plus de pépé, moi. Va voir Mémé. Mémé? Elle est où, Mémé? Je sais pas. Voilà. Bah écoute, je pense que là, il me reste un dresseur. Eh, je l'ai fait? Ah non, pas elle. Ok, il va m'en rester deux, je pense. Tu vas tourner du coup? Pas de pépé. Non. Flemme. La Mélofée, elle est chiant ou pas? Celle qui a ses Mélofée? Un peu parce que... putain, quoi. Bon, ça va partir coup de cruel, hein. Ouais, mais le Delph là, je sens pas, allez, vol. Fais gaffe, y'a bannement. Berceuse. Ouais, berceuse. Mais d'où tu le tues pas? M'endormi avec berceuse. C'est pas grave, on a des réveils. C'est fait pour. Tu les as même pas utilisés, du coup. Écoute, hein, je les avais achetés pour la ligue, mais au final. Il me fait cadeau, il a échoué. Allez, cruel.
mais le fait. Ouais. Ouais, j'arrive. Et dès qu'on a fait ça, y a plus rien à faire ici, ça. Il reste plus beaucoup de dresseurs en haut, et après c'est bon, ouais. Mania. Mania, mania, mania. Ok, alors. On va faire ça. Scarino. Les cascades. Mania, ça a quand même 5 puissance, hein, c'est pas rien, mais bon, ça me fait rien. Toi, t'as mis surf sur ton tank, hein. À la Oui, base. par contre, j'ai le surf pour kite, À la base. hydro queue et hydro canon. Ouais, tu as pas mis ma chouille, quoi? Y'a pas? Et je l'ai enlevé, il y avait ma chouille, mais je l'ai enlevé tout Bah à écoute, l'heure. j'ai fini la forêt. Je continue, je te dis ce qu'il y a. Mais je pense pas qu'on a autre chose de spécial. Quelques dresseurs, ok. Là, il y a un kinésiste ici, je pense. Bah, moi je suis le dernier dresseur. Il a un atu, parfait. Il doit avoir un atu exatu, je pense. Trois Pokémon? Ouais. Je te dis, hein, ici, c'est la plus costaud, je pense. Après, il n'y a pas autant de dresseurs dans le reste, je pense. On a une tête, c'est la 9 ou la 8, je... Il y aura des dresseurs, mais c'est intéressant, ça donne de l'XP. Ok, donc elle a Natu, Flagados. Tu le tues, hein. Tu le tues pas? Bon, c'est pas grave. Il m'a choué. Peut-être dû faire une danse draco en vent, mais j'avais peur que Natu il me sorte une attaque électrique. Un peu chiant ça sur un Léviator quand même. Bon, Kadabra, tu le tues par contre, hein. Il saute pour moi. Ah, je Il sais a pas comment de l'appeler cette soucis. vidéo, hein. Si Léo le casse-couille. Non, je rigole. Archi pas. Ok. Natu, Kadabra, Flagados. Ok. Voltaligo. J'avoue, ouais. Après, elle a un Marill, mais je vais me soigner quand même. Quoique, non, je vais faire directement ma chouille. C'est le seul qu'elle a. Elle a qu'un seul Marill. Ouais, mâchouille direct. On est des hommes, nous. Il se propulse dans les airs. Les hommes des... Ok, bah on va se soigner. Pendant que genre il se propulse. Ouais, Flagados. Respecte Flagados. Flatagos, putain, j'ai dit. Oh, Flagados. Même moi, je le respecte pas. Alors déjà, il y a mode de respecter, mais toi tu ne respectes que dalle. C'est ouf ça par contre, et je vais jamais le respecter ce Pokémon. Je te le dis, hein. Pourquoi? C'est pas dans ma nature de respecter ces trucs. Ah, il s'est pas tué avec Damoclès, dommage. Pourquoi tu respectes pas? Parce que c'est Mais c'est merde. trop fort! C'est une Comment merde. ça, c'est une merde? C'est une merde. C'est trop fort! C'est une merde. Y'a un combat de où ici? C'est trop fort, Je lui mec! fais un petit tonnerre, je lui fais un petit tonnerre, il meurt. C'est trop fort, mec, arrête! T'as pas le droit! Si, j'ai le droit de le Comment dire. ça, t'as le droit? Mais faut Respect. arrêter, c'est trop trop fort! De la merde. Comment ça, c'est de la merde? De la merde. Tu vois là, ton Flagados, on devrait le comparer à un truc. Ce serait Lulu. De la merde. Mais Lulu, c'est pas Casse-couille, de... mais de la merde. Lulu, c'est pas de la merde déjà. T'as pas le droit. La Non, merde. depuis qu'on a fait le Volibear Lulu en Urf, t'as pas le droit de dire que c'est de la merde, je suis désolé. Je De suis la merde, mais c'est désolé, juste gros. casse-couille. Juste casse-couille, gros, arrête. Le combat double en haut, c'est Staros et Tetart. Moi, je suis chaud au combat double temps. Contre les petits bols de sont bien. Eric, je vais juste faire une coupure. Au pire, finis de ton côté, moi je vais faire une Vas-y, coupure parce que je dois faire autre chose. vas-y. Tu vas peut-être finir ton côté, je pense. Pourquoi pas, je sais pas.
Ok, attends. Je t'avance un peu, mais pas plus. Je pense qu'on a la fin là, de toute façon. Si t'as pas envie de faire les prochaines, je le fais sans toi du coup. Je pense que tu vas les faire sans moi, c'est pas sûr. Au pire, ce que je vais faire, Rick, c'est que je regarderai la solution, je te dirai ce qu'il va faire. Ouais, dis-moi qu'est-ce qu'il va faire d'abord, on en parlera. Comme ça, voilà, tu diras si... J'ai perdu le déplacement. Je sens. Il y a la grotte ici. Il y a un pire team rocket. Ok, bah on a fini quasiment. Ok, moi je fais une petite coupure. A tout de suite. Bien re. Désolé, j'étais FK. Du coup, il me reste plus beaucoup. Ok, il y a un sbire à team rocket. Je vais aller là. Ok, donc là, la zone elle est clear. Hein. Il reste que ça. La grotte Metamo, je pense qu'il n'y a rien. C'est que sur les hacks que tu vois qu'il y a une utilité. Là, il n'y a rien, je pense. Donc Eric a dû clean les dresseurs, je pense, on l'a bien. Oui, y'a rien, ça, y'a plus rien. Y'a qu'un dresseur là, y'a une table à prendre, du coup je vais faire le sbire. Ah, est-ce que ce serait pas le sbire qui a volé le. Voilà, bon. Point poison, évidemment. Hein. C'est pas grave, il passe 64. Enfin, c'est pas grave, je veux dire, c'est un peu chiant quand même, mais bon, c'est pas grave. Kaido, il met longtemps à mettre à prendre de niveau aussi. Non, les coups critiques, s'il te plaît, non? Un petit coup critique pour faire plaisir. Oh, dommage. Direct toxique. Le poison ne me tue pas, j'espère. Ah, si, d'accord. Bon, mal, il est tort, KO. C'est pas grave. Personne ne tue pas. Ah, je sais pas, il restait 26%, je me suis dit, enfin 20 HP. Il tenait, mais non. Attends, quoi? L'attaque est partie, mais je l'ai fait. Ok, bon. Je vais débrancher vite fait, vous allez voir un truc apparaître, voilà, comme quand je suis sur batterie. Parce que j'ai tout simplement débranché l'ordi, enfin voilà, prise quoi. Allez, surf. Donc là, y'a rien, dresseur, je l'ai fait tout à l'heure. La grotte avant de faire le sbire. Voilà, grotte métamo, mais en soi, enfin... C'est là, ici, dans ce hack, qu'il y avait une dresseuse qui avait de l'euphorie. C'est Fire et 2 méga, en fait, si vous cherchez le nom. Et vous aviez accès à tout le légendaire, quasiment. C'était assez drôle, on est des dresseurs surpuissants. Mais y'a rien, je pense que c'est quand il y avait un event, il y avait peut-être des terrals, je sais pas, enfin bref. Non, pas de repousse. Du coup, il est compliqué ce dresseur, non? Quoi? Non, y'a que dans la grotte. Y'a rien, ouais, j'ai vu. Du coup, on va conclure l'épisode ici, hein. On va conclure l'épisode ici. Attends, vraiment là? D'accord. Donc là. Bah, en vrai, ça fait XP, mine de rien. Ça fait XP, hein. Moi, je prends toujours, hein. Mais du coup dans les prochaines îles c'est là que le scénario continue hein, avec les sbires roquettes, enfin du coup tu vas vraiment redonner le saphir au mec, à Cilio, et je pense que dans la dernière île il y avait une tour je pense. Mais je sais pas s'ils ont laissé la tour du combat, peut-être hein. Si jamais ils l'ont je m'amuserai à la faire un peu en tout cas faire. Ça peut être drôle. Mais voilà, tout ça pour dire que on a fait le 3 quarts, le 2 tiers du truc. Bon, il nous restera 3 îles à faire. Hein. Donc je vais voir un peu sur la solution ce qu'il y a pour voir si c'est un peu long. Quelqu'un comprendrait tout à fait Eric hein, si jamais c'est long, c'est logique hein, ça c'est des trucs au bout d'un moment, enfin ça... Même moi je commence un peu à saturer au niveau des îles. Allez voir Mewtwo et... Bah Mewtwo techniquement bah on pourra plus le faire, en fait j'y pense hein Eric hein. Il nous reste que les 3 îles parce que les légendaires techniquement elles ont pas l'air d'y être à part Mewtwo mais c'est un peu galère. Donc, moi ce que je te propose c'est qu'on se fasse un épisode complet pour les champions d'arène. Et on aura fini hein. Ça bouclera Kanto. Et en vrai de vrai... Au pire, on a même pas besoin de refaire les... Ouais, bah ouais. Ouais, mais à la limite, on les fera plus tard, on les fera quand on aura tout fini les versions. On repassera un petit tour avec des nouveaux Pokémon. Ouais, moi je suis chaud. Donc là, écoutez, ben... On va se stopper là. Allez, peut-être... pour finir la vidéo, on fait comme l'autre fois, là, ça fera ma miniature. Sauf que là, je mets les Léviator. Oh, je sais pas. Vas-y, je mets les Léviator. Ouais. Attends, on va se mettre là. Comme ça, on a accès aux herbes ici. Voilà, on voit tout. Ça sera belle la miniature. Voilà, ici, ici, y a personne qui nous dérange. Ectoplasma, ah, il va le faire. Ok, ah, oh, pas mal. Sauf qu'à la grandeur du Pokémon là.
Ouais. Non, c'est un seul pas. Tu te souviens? Ouais. Un pas devant, un pas derrière. Petit pas devant, tonton, petit derrière. Voilà. Ok, bah merci d'avoir regardé ce 12e épisode du coup. Ou alors si vous préférez, deuxième épisode bonus, hein. Il n'y en aura que 3, hein. Parce qu'en vrai, comme Eric dit, c'est mieux de le... qu'on se refasse tous les gendarmes d'un... enfin tous les champions d'un coup peut-être. Sur toutes les Ouais, versions, on en t'es fera chaud. ouais, toutes les versions, toujours avec une nouvelle team, tu vois. Ouais, je suis chaud, ça peut se faire. Et voilà. Moi, je suis chaud. Tu es chaud. Allez. Mais du coup, il nous restera la dernière vidéo de cette playlist. Et on aura terminé, hein. On aura terminé. Rouge feu entièrement, vu que légendaire, bah écoute. Au pire, on les fera plus tard, légendaire, si jamais ils les mettent un jour ou Mewtwo, faut le chercher. Enfin, voilà, enfin bref. Merci d'avoir regardé cet épisode et moi, je vous dis à très vite pour le 13e épisode, l'épisode final de Pokémon Rouge Feu. Voilà. Avant de se retrouver sur Emerald. Ciao, ciao!